Il a beaucoup tenté tout au long de la rencontre Kylian Mbappé, mais sans concrétiser malheureusement. Il s'est créé des occasions, il a cherché à provoquer, à percuter. Il était en jambes finalement. Il était présent. Il était présent parce qu'on l'a vu très actif. On voit déjà en premier mi-temps sur ce genre de situation où il est un spécialiste dans la vitesse, dans la rapidité. Et puis après, bon, il y a peut-être une faute juste avant la surface. Il aurait pu y avoir une faute sifflée. Ça n'a pas été le cas, mais il n'y a pas que seulement ça. On l'a vu aussi dans ses prises de balle ou dans la participation offensive, dans ses déplacements à droite comme à gauche. Et puis voilà, il a été, même sur un centre de Vinicius, il était là pour essayer de la concrétiser. Moi, son match n'est pas un non-match. Il a tenté, il a essayé de faire pour le mieux. Bon, je pense qu'il y a un prochain adversaire qui arrive à Madrid, il s'appelle Valladolid. Je pense que pour ce match-là, il faudra qu'il soit très présent sur le terrain et en étant hyper efficace et de marquer rien que ça. Vous l'avez trouvé incisif, Je trouve très intéressant parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a retrouvé sa vitesse. Il a retrouvé ce coup de rein, il a trouvé sa accélération avec le ballon. Ce qu'on lui reprochait pendant l'Euro. Et là, il est vraiment bien physiquement. Il a tenté les appels de balles. Il le fait, il ne se gêne pas pour faire des appels de balles. Il a pris des risques pour éliminer. Je trouve qu'effectivement, pour moi, il manquait justement cette occasion, ce but qui pouvait vraiment nous faire son match parfait. Il a tenté, il faut savoir, vous avez trois joueurs, il est là, c'est le joueur du championnat, tout le monde n'a pas envie de le laisser faire, et c'est à lui maintenant de trouver cette solution. Il est en train, physiquement, c'est ce qu'il faut pour lui pour réussir, il est bien physiquement. Omar Da Fonseca, est-ce qu'il est sur la bonne voie, Kylian Mbappé, et qu'est-ce qui lui manque pour performer à chaque rencontre, puisque effectivement il sera attendu, très attendu à chaque rencontre. Il est sous la loupe de tout le monde et je crois que il est convaincu qu'il va réussir parce qu'il fait des gestes, souvent le petit pincement, la feinte des frappes, pour ça il arrive à exprimer une certaine confiance. Or je continue, attention, je parle toujours de la prétention, je connais rien. Néanmoins, pour moi, c'est pas un avant-centre à partir à chaque fois en étant dans cette zone axiale. Lui, il a besoin de la divergence. Je me souviens des plans des bons matchs quand il était Giroud à Paris, quand il était Cavani, Ramos, l'avant-centre. Je crois que c'est quelqu'un qui a besoin de pouvoir se servir des appels, de relais de quelqu'un d'autre qui puisse être souvent devant lui pour justement créer la divergence et faire lui la différence pour finaliser. Là, en étant dès le départ comme cette pointe, malgré que j'ai trouvé que sur 3-4 appels, il les a fait, il a détecté la zone, il a très bien trouvé l'espace, ils lui ont bien donné. Mais je ne sais pas si c'est l'avant-centre qu'on a l'habitude. Les historiques avant-centre, moi je le préfère. Je préfère je sais pas, un ailier bis, un 9,5, je ne sais pas comment vous l'appelez. Est-ce que vous partagez les doutes de Omar, Sonny? Oui, mais même si je trouvais quand même, en jouant ce poste-là, il a quand même fait les appels. Là, on sait qu'il préfère être sur le côté gauche, il est le plus à l'aise. On a vu la fin de match, c'est là où il était plus à l'aise. Oui, mais aujourd'hui, Laurel, il n'y a pas cet avant-centre pour qu'il va s'appuyer. Le seul système pour Ancelotti pour trouver vraiment pour lui, c'est de jouer le système de l'année dernière, 4-4-2 avec Bellingham derrière lui et Vinicius. Là, il aura beaucoup plus d'espace, il aura beaucoup plus de liberté. Là, dans l'axe, je trouvais qu'il a quand même fait de bons appels de balles et il était disponible. Qu'est-ce que ça donne en chiffres, le match de Mbappé reste le joueur qui a tiré le plus dans ce match-là au but. 4 tirs pour Kylian Mbappé sur 44 ballons touché pour l'international français, 25 passes réussies, 3 duels gagnés et 3 duels perdus. Donc il a tenté des choses, Kylian, on l'a dit, il l'a essayé. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Il ne manque pas grand-chose, Louis, pour que le match soit abouti de la part de Mbappé. Oui, moi je pense que dans l'ensemble, par rapport à sa performance, par rapport à son match, c'est pas... On va dire que ce n'est pas inintéressant. On va dire qu'il y a quelque chose. Il a l'attitude, le comportement de celui qui a envie de réaliser, de tenter, d'y aller, de faire des appels, de revenir. Alors, même, je te disais, pendant le match, tu as vu, regarde, il revient même pour fermer le côté droit, fait un repli défensif. Et ça, il faut le relever, il faut le souligner. C'est-à-dire qu'il en est capable, tu peux le faire. Et puis après, c'est à lui de se trouver dans les meilleures dispositions, les meilleures conditions. Une fois qu'il aura marqué un ou deux buts, je pense que je ne sais pas quand Cristiano a démarré au Real. Est-ce
que c'était de même, ce qui est aussi ce qui est passé par ce moment-là. En tout cas, tous les grands attaquants du Real ont connu des périodes difficiles. Et ben voilà, mais il commence. Mais je pense qu'en faisant ce qu'on le voit faire, faire l'attitude, le comportement d'être dans un bon état d'esprit, je pense que ça va l'aider. Un but partout, le résultat entre Mallorca et le Real. Pas de but donc pour Kylian Mbappé pour ses débuts en Liga. Prochain match du Français avec le Real Madrid le week-end prochain face à Valladolid. Ce sera dimanche prochain à 17h sur beIN Sport. Évidemment, le Real accroché à Mallorca. Voilà. Omar, est-ce que vous avez été frustré de voir Bellingham dans un tel rôle ce soir ? Non, pas moi, parce que j'ai aucune prétention, mais lui-même, je trouve, il vous l'avait dit, je crois que l'année dernière, je ne me souviens pas exactement, mais dans les premières 5-6 matchs, il avait marqué, je ne sais pas, presque des buts, parce qu'il arrivait avec cette deuxième ligne, c'est quelqu'un qui l'aime finaliser en partant d'un peu plus loin, mais en y arrivant à la surface. Là, dans la première mi-temps, il a été très rarement, en deuxième encore moins, je croyais que le fait de la rentrée de Modric allait justement le libérer un peu plus. Et si jamais ça, l'histoire de le schéma, et c'est pour ça que dans la saison, attention, Carlo Ancelotti, il aura des difficultés parce que s'il fait jouer trois milieux et Bellingham derrière avec deux attaquants, oui, je pense que ce sera Rodrigo qui va morfler, comme on dit vulgairement, mais forcément, il y aura des déçus ou des frustrés. Donc, il y aura du fil à tordre, des situations compliquées parce qu'une saison est longue, difficile, et l'hiver, il fait froid et tout peut arriver. C'est un problème de riche de toute façon, on l'a bien compris du côté du Real Madrid. Ouais. Mais c'est un problème quand même. C'est un problème quand même, et surtout le système qu'il joue, quand il fait jouer les trois devant et Bellingham sur le terrain, il manque quand même de remplaçants. Et là, ça va poser un problème parce qu'on a vu encore aujourd'hui le Brésilien Henrique, il n'est pas rentré. Il manque le côté offensif. C'est pour ça qu'Mbappé il a fini le match parce que c'est le seul vraiment avançante qui est dans l'équipe. Ça, il aura un problème s'il fait jouer ce système-là. Il va manquer quand même des joueurs sur le banc. Avant de revenir sur le match de Kylian Mbappé, on va découvrir les chiffres du match de la rencontre. John. On est sur un équilibre quasi total entre les deux équipes. Hein, Mallorca qui a autant de tirs. Que le Real Madrid, de tirs cadrés aussi, de buts forcément un partout. La possession de balle en revanche pour le Real, ça montre aussi que Mallorca a joué en contre et a su très bien jouer les coups. Oui, c'est ce que Luis soulignait d'ailleurs, hein. Il rendait hommage à cette équipe de Mallorca qui a joué crânement sa chance, très organisée en défense et qui a tenté aussi également. Le Real Madrid a été tenu en échec sur la pelouse de Mallorca, un but partout. On va débriefer ce match tranquille, ça va très bien vu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va en parler, ce match entre Mallorca et le Real, un but partout. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot c'est notre passion, donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est qu'on est parti. Alors, le Real Madrid a été tenu en échec, un but partout, sachant que le Barça avait déjà gagné son match contre Valence et à Valence. Je vous rappelle ici que battre Valence, déjà, ce n'est pas évident. Mais battre Valence à Valence, c'est vraiment une très grosse performance du Barça. Du coup, comme le Barça a gagné, le Real était dans l'obligation de répondre au Barça. Et ça passait par une victoire systématique sur la pelouse de Mallorca. Dans ce match, Carlo Ancelotti, il a décidé de mettre un 4-3-3 avec Couto dans le but, Rudiger Militao, enchaîné central, Mendy, Carvalho comme latéraux, les trois du milieu, tu avais Jude Bellingham, tu avais Tchouaméni et Valverde, tu avais Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrigo comme le trio d'attaque. Sur le papier, c'est vraiment une composition qui est vraiment chaude, très chic. Sauf que moi, j'ai trouvé ce milieu en manque de créativité. C'est un milieu qui n'est pas assez créatif, surtout que tu as perdu Toni Kroos. Comme tu as perdu Toni Kroos, à mon avis, il te faut remplacer Toni Kroos. Certes, tu as Modric. Modric, il est plus proche de la fin que au début de sa carrière. Donc, ce n'est pas un jeu sur qui tu peux compter pendant 90 minutes. Du coup, il te faut remplacer. Il te faut trouver un remplaçant de Toni Kroos. Et dans ce match, c'est le Real qui ouvre le score par Rodrigo. C'est Rodrigo qui ouvre le score. Rodrigo, les amis, moi je trouve que c'est un jeu qui répond toujours présent, mais malheureusement, il sera sacrifié. Il sera sacrifié puisque Kylian Mbappé
sur le jeu vedette. Et j'ai du mal à voir qu'Alain Ancelotti s'en passe de Kylian Mbappé. Donc, Rodrigo, il joue très bien. La preuve pour moi, dans ce trio d'attaque-là, ça a été pour moi le meilleur joueur. Rodrigo, pour moi, ça a été le meilleur joueur d'attaque. Malheureusement, il sera sacrifié. Je trouve que Rodrigo sera sacrifié en attaque. Pourtant, jusqu'à présent, c'est le meilleur joueur du Real offensivement. Il était très bon contre l'Atalanta et il a encore été très bon contre Mallorca. Donc, j'ai trouvé le milieu du Real, ce milieu-là était un peu en panne de créativité. J'ai trouvé la défense quand même solide, notamment avec un garçon comme Rüdiger. Rüdiger, pour moi, c'est top 2 meilleurs défenseurs du monde. Il est très très fort. Dans l'agressivité, dans l'impact, il est très très fort, Rüdiger. Donc, j'ai trouvé Rüdiger très très fort. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs dans ce match. J'ai également trouvé Rodrigo. Rodrigo, pour moi, c'est le MVP. Hein. C'est clairement pour moi le MVP du match, Rodrigo. Il a fait un super match. Il a toujours été présent. Et franchement, c'est très très beau de voir un joueur qui ne lâche rien. Puisque il pouvait se dire, voilà, Kylian Mbappé est arrivé, je me trouve un chemin de sortie. Mais non, il se bat jusqu'au bout. Il se bat jusqu'au bout pour trouver sa place de titulaire. Malheureusement, j'ai peur qu'il ne sera pas récompensé à sa juste valeur. Donc, tu as donc un Real qui a ouvert le score et qui a été rattrapé par Mallorca. C'est quand même hyper rare. C'est hyper rare de voir le Real ouvrir le score et être rattrapé, entre guillemets, par un petit. Kylian Mbappé n'a pas vraiment fait un tour match. J'ai trouvé son match très, très moyen. Mais pour un début, c'est pas mal. Vous savez que c'est pas évident de s'imposer au Real tout d'un coup. Aller poser la question à Eden Hazard. Eden Hazard, il s'est même pas imposé. Le Real, ça demande beaucoup de pression. Moi, je suis qu'avec le temps, il va s'imposer sur le long terme. J'ai également aimé le coaching de Kalan Choti. Kalan Choti avait sorti Bellingham et Vinicius. Pour moi, c'est un message très, très fort. C'est un message pour dire aux gens, pour dire surtout à Kylian Mbappé. Tu as vu, j'ai fait sortir Vinicius, j'ai fait sortir Bellingham. Donc, si tu es moins bon, je vais te faire sortir. Au Real, personne n'est la star, entre guillemets. Personne. Si tu n'es pas bon, tu vas sortir. Si tu n'es pas bon, tu ne joues pas. Donc, Kylian Mbappé, il a averti. Il a intérêt à bien prouver pour garder sa place de titulaire. Après, partage-moi ton réflexion en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.